Nous allons dessiner une, une pièce qui peut servir de, de support d'interrupteur par exemple. Premier temps, nous allons lancer euh, LibreCad. C'est un successeur de, de QCAD, une version open source de QCAD, qui est plutôt pas mal, à part moi les icônes que j'aime pas trop parce que j'ai un peu de mal à m'y retrouver, mais c'est plutôt pas mal. Alors, une, une fois le, le logiciel lancé, euh, une technique euh, qui permet de faciliter grandement les, ce genre de dessin technique. Euh, C'est de créer un calque qu'on appellera guide. Je lui mets une couleur jaune, mais peu importe. Et dans ce calque guide, nous allons euh, dessiner des, des traits à l'aide des différents outils euh, QCAD. Donc, ici, d'abord un rectangle. Voilà. Ensuite, on zoome sur la, la partie qui nous intéresse pour avoir une grille euh, plus précise. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser l'outil qui est très pratique de droite parallèle, pour lequel nous donnons une, une distance et il tracera une droite parallèle à, la, à celle que nous sélectionnons, à la distance demandée. Voilà, voilà, J'ai fait une erreur, c'est pas 20, c'était 10. Donc on va faire annuler. on va changer la distance on va mettre 10 voilà donc là il va tracer une droite à 10 mm de celle euh, duquel je m'approche ensuite on va tracer le centre du rectangle en bas une droite au centre et ensuite deux autres droites à 10 mm du centre voilà donc ça c'est notre calque guide Ensuite, nous allons créer un calque qui s'appellera découpe. Ce sera le, la découpe extérieure de notre pièce. Donc là, on va prendre l'outil qui permettra c des traits tout simples. Vous pouvez changer aussi les modes d'accrochage. Là, on est en, en mode d'accrochage sur la grille, mais on peut s'accrocher aux extrémités, aux intersections, enfin, au centre. Il y a différents modes d'accrochage. Donc là, on fait le pourtour de la pièce à découper. Et ensuite le support d'interrupteur, on veut qu'il soit circulaire, donc on va faire un arc de cercle passant par trois points. Voilà. Voilà. Donc là, on a le pourtour extérieur de notre pièce à découper. Ensuite, on va placer le un trou de 3 mm de rayon. Alors j'ai fait une bêtise, il fallait pas le mettre sur le calque de découpe, il faut créer un nouveau calque qu'on va appeler euh, hall. Et qui lui sera pour la découpe intérieure, parce que le pourtour est une découpe extérieure alors que le cercle est une découpe intérieure. Voilà, donc quand on enlève le guide, on voit la forme de notre pièce. Alors on aurait pu arrondir, il y a des outils pour arrondir les, les, extraits, les angles du. du rectangle pour faire plus, plus joli. Mais bon, là pour le tutoriel, c'est pas nécessaire. Voilà, donc on enregistre le, donc un fichier DXF et ensuite on ouvre xcad. Donc on va charger le fichier dxf dans xcad. Voilà. Donc il s'affiche en entier. On va virer le, le calque correspondant au guide, puisqu'il n'a plus aucune utilité ici. Ensuite, bon, voilà, on se déplace. Donc on voit notre future pièce à découper. Il faut prendre l'habitude de l'enregistrer au format X, parce que sinon si on fait euh, CTRL-S ou si on appuie sur enregistrer, il va écraser le DXF euh, depuis euh, XCAD, et euh, après on a un DXF tout pourri. Hein. Donc euh, c'est fortement conseillé d'enregistrer en fichier X d'abord. Ensuite, donc, on, on, on sélectionne euh, notre euh, calque avec le cercle, et on crée un profil. On va créer un profil intérieur, parce que la fraise doit passer à l'intérieur du cercle et pas à l'extérieur. On dit à quelle profondeur et on donne l'épaisseur de chaque passe. Donc là il va faire 3 passes de 1 mm en gros. Et on donne la vitesse d'avance de la fraiseuse. Donc moi la mienne elle est réglée sur 300 mm. On peut aussi ch changer la fraise. Là par défaut s'il y a une fraise de 3 mm droite, ce qui convient bien à ce découpage. Et on donne un nom. Euh... Voilà. Donc là, on, a la dé on aura la, le, la découpe. Ensuite, on va faire la découpe extérieure. Alors si jamais euh, il vous met bad au niveau de ordre, il faut mettre reorder. Parce qu'en fait, ça veut dire que les segments ne sont pas dans l'ordre dans logique. Et du coup, la découpe sera faite n'importe comment. Donc là, on passe sur une découpe extérieure et non intérieure. Et on règle les, di les différents paramètres, comme tout à l'heure. Donc la profondeur, toujours une passe en moins 3 avec euh, une passe d'un millimètre jusqu'à moins 3, sachant que moi le 0 est sur le dessus de la pièce. Si vous le 0 est sur la table, il faut raisonner à l'envers. Voilà, on donne le nom de l'objet. Et on valide. Donc là on a les différentes opérations qui sont correctement ordonnées. Ensuite on peut créer le Demander à Xcad de générer le code. Donc on vérifie qu'on est bien avec un contrôleur EMC. Ce qui est le contrôleur que j'utilise. On vérifie qu'on est bien en millimètre aussi. Et ensuite on fait créer le code CN. Donc là vous voyez en vert sur le dessin, c'est tracé le, le code. On le voit mieux ici avec les différentes passes. Vous avez les traits des différentes passes. Donc légèrement à l'extérieur de, de la pièce puisqu'il en déduit le diamètre de la fraise. Voilà. Ensuite, vous pouvez sauver ce fichier au format G-code. C'est un simple fichier texte. Et ce fichier est directement utilisable dans EMC2 pour la découpe de la pièce. Vous voyez que pour une pièce simple, il faut vraiment quelques minutes pour dessiner et pour le préparer la découpe. Voilà, donc là si on va voir avec... Euh un éditeur de texte quelconque, le fichier. Voilà, on a le, le fichier G-code qui a été généré avec les différents paramètres, que vous pouvez éventuellement éditer à la main si nécessaire. Voilà, il n'y a plus qu'à envoyer à la machine et c'est terminé.